الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, nous voici vivants, walillah alhamd, pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan, et il s'agit d'un grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Mon frère ainsi que toi ma sœur, sache que le fait d'être vivant pendant ce mois, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et on se doit d'être reconnaissant, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé la vie et de pouvoir profiter des adorations et de nous exposer au souffle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni. Ahbab al-Kiram, on a connu des gens l'année dernière. Nous avons connu des gens l'année dernière qui étaient avec nous. Et aujourd'hui, ils sont sous terre dans le monde des morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Aujourd'hui, Allah ta'ala, il nous comble de bienfaits. Et nous sommes en vie pendant ce mois où les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les démons, les rebelles parmi les shayatines sont enchaînés. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a comblés de bienfaits. On peut se racheter auprès d'Allah. On peut se réconcilier avec notre religion. On peut revenir vers Allah Subhanahu Wa Ta'ala et utiliser ce Ramadan pour faire un nouveau départ dans notre vie spirituelle. Enfin, remerciez Allah Subhanahu Wa Ta'ala de vous avoir accordé cette faveur. Et profitons un maximum de ce mois. Pourquoi je dis ça ? Parce que malheureusement, il y a des gens, et ce n'est pas la première année, mais ça fait des années qu'ils ne profitent pas de Ramadan. Le Ramadan arrive avant, pendant et après le Ramadan, c'est les mêmes. Ils ne changent pas, ce sont les mêmes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le hadith est rapporté par l'imam ibn Khuzaima rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il est monté sur le mimbar et à la première marche, il a dit Amin. À la deuxième marche, il a dit Amin. À la troisième marche, il a dit Amin. Les gens ont demandé, ô messager d'Allah, tu as dit Amin trois fois. Pourquoi est-ce que tu as dit Amin ? Amin, ça veut dire Allahumma stajib, ça veut dire oh Allah, exauce, accepte l'invocation. Mais quelle invocation a été faite pour que tu dises Amin ? Donc tu as dit Amin trois fois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur, malheur à celui qui a eu la faveur d'arriver à Ramadan, mais n'a pas été pardonné. Malheur à lui. Et il y a d'autres versions où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a eu la faveur d'arriver à Ramadan mais n'a pas été pardonné, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Vous vous imaginez un petit peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend cette invocation de Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel. Et qui dit Amin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Vous vous imaginez? Ceux qui ne profitent pas de Ramadan et ne saisissent pas cette opportunité pour se racheter auprès d'Allah et qui considèrent ce mois comme un autre, eh bien qui se rappellent que le prophète sallam a fait des doigts, il a maudit celui qui ne profite pas de Ramadan et qui ne saisit pas cette opportunité pour se faire pardonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille de notre insouciance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos cœurs qui entendent des rappels de jour comme de nuit. Mais malheureusement, un grand nombre d'entre nous, on reste les mêmes. On reste les mêmes. Il n'y a rien qui change dans notre comportement envers notre Seigneur. On est les mêmes, avec les mêmes vices, avec les mêmes péchés, avec les mêmes défauts. Au lieu de nettoyer notre cœur de la jalousie, de l'envie, de l'hasad, de l'orgueil, etc., on ne nettoie pas le cœur. Au lieu de laver nos langues et de jeûner avec nos membres et pas jeûner avec notre ventre. Certains pensent que le jeûne, c'est uniquement de ne pas manger, de ne pas boire. Mais mon frère, toi tu t'abstiens de manger et de boire et de l'autre côté tu parles sur le dos des gens. Tu manges la chair de ton frère. Tu salis l'honneur des gens. Tu voles l'argent des gens. Tu lances des rumeurs sur les gens. T'as oublié que tu vas rencontrer Allah? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment est-ce que tu vas te racheter ce jour-là? Donc malheureusement, on a beaucoup de musulmans et de musulmanes qui vont jeûner avec leur ventre, mais ils ne vont pas réellement jeûner. Ils ne vont pas profiter de ce mois.
Et n'oubliez pas, le prophète alayhi salatu wasalam, parmi les personnes pour qui il a dit Amin, c'est ces personnes qui vont vivre jusqu'à Ramadan et qui ne vont pas profiter. Et qui ne vont pas gagner le pardon d'Allah. Ils ne vont pas faire les causes pour gagner le pardon d'Allah. C'est des gens qui vont tuer leur temps avec quoi ? Avec la télé, les clips, YouTube, les réseaux sociaux. Toute leur soirée, toute leur journée, elle est sur quoi ? Snapchat, Insta, Facebook. Si c'est pour des rappels religieux, d'accord, mais pas forte dose. Tu veux doser quelque part, dose dans le Coran. Ouvre-le, lis-le, médite-le, essaye de le comprendre. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla nous dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Ça fait des années qu'on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Combien d'entre nous ont lu le Coran en entier avec méditation et recueillement? Combien d'entre nous l'ont compris? Combien d'entre nous ont été impactés par le Coran au point où leur comportement envers Allah a changé? Au point où les péchés qu'ils commettent ont cessé? Au point où aujourd'hui ils font beaucoup plus de bonnes actions qu'avant? Combien? C'est trop facile de venir dire moi je jeûne. Mais est-ce que tu as compris c'est quoi le jeûne? Le jeûne c'est pour atteindre à taqwa, la piété. La piété c'est de faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Il faut que tu évolues. Tu ne peux pas rester le même. Chaque Ramadan passe, t'es le même. Tu ne pries toujours pas à la mosquée. Tu fais rarement des aumônes. Tu parles sur le dos des gens. Tu utilises tes membres à mauvais escient. Tu fais pas de bonnes actions. T'es une clé pour le mal, une barrière contre le bien. Jusqu'à quand? À un moment donné, il faut se dire, et si je me reprends en main? Et si sérieusement, je me regarde dans le miroir? Au lieu de juger les gens, que je m'occupe de ma propre personne, ma faible âme. Mais non, Shaitan, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? À nous embellir nos actions. À nous faire croire qu'on est des gens bien, des gens super exemplaires, des pieux. Et il nous a occupés avec les défauts d'autrui, avec les gens, avec ce que font les gens, jusqu'à ce qu'on s'est oublié nous-mêmes. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith de Anas qui est rapporté par At-Tabarani, a dit, écoutez attentivement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez le bien tout au long de votre vie. Tant que tu es en vie, fais le bien. Il n'y a que ça que tu vas récolter yawm al-qiyam. Fais le bien. Les portes du bien sont ouvertes, walillahi alhamd. Si tu es sincère dans le fait de vouloir faire le bien, Allah va t'utiliser. Demandez le bien tout au long de votre vie et exposez-vous au souffle de miséricorde de votre Seigneur, car Allah a des souffles de miséricorde qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Exposez-vous au souffle de miséricorde de votre Seigneur, car Allah a des souffles de miséricorde qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Et dans un autre hadith, ce hadith-là également, il est rapporté par l'imam al-Tabarani. Selon Muhammad ibn Maslama, radiallahu anhu an jami'i as-sahaba, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans les jours de votre vie des souffles bénéfiques, nafahat, des souffles bénéfiques de la part de votre Seigneur. Soyez soucieux de vous y exposer. Car il se peut que l'un d'entre vous soit touché par un souffle de sa miséricorde, suite à quoi il ne sera plus jamais malheureux. Mes chers frères, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, quand arrive le mois du Ramadan, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer et les démons sont mis au fer, ils sont emprisonnés. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les nuits du Ramadan, un héros appelle, ô toi qui veux du bien, accours, toi qui veux faire le bien, c'est maintenant, la porte elle est ouverte, fais le bien, précipite-toi, viens vers ton Seigneur, ô toi qui veux faire du mal, cesse. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Et chaque soir, Allah affranchit de l'enfer un certain nombre de personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affranchisse du feu de l'enfer. Mes chers frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wasalam nous a montré l'importance de ce mois à travers plusieurs hadiths. C'est un mois qui est trop important. Un mois qui est très important. Ahbab al-Kiram, ceux et celles qui veulent être touché par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a quelques recommandations à vous faire. La première, c'est de nous renouveler
La première, c'est de renouveler notre repentir, de nous repentir sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Tu veux le succès, c'est ce que tu recherches, repens-toi. Et le repentir, c'est pas, je dis juste, astaghfirullah. C'est bien de demander pardon à Allah, mais il faut que tu regrettes du plus profond de ton cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: an-nadamu tawba. Le regret est un repentir. Donc il y a un, le regret. Deux, se détacher immédiatement du péché. Trois, être déterminé à ne plus jamais le refaire. Tu es déterminé à ne plus refaire ce péché. Quatre, si tu t'es emparé des biens d'autrui, il faudra restituer les biens aux ayants droit. Également, Allah Ta'ala nous dit: ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et chacun d'entre nous a besoin du pardon d'Allah. S'il ne nous pardonne pas, s'il ne nous fait pas miséricorde, s'il n'a pas pitié de nous, on court à notre perte. C'est pour ça, Ahbab al-Karam, dès maintenant qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les péchés qu'on a commis, pour nos nombreux manquements, pour les nombreuses fois où on lui a désobéi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qu'Allah ta'ala a créée, il se repentait plusieurs fois par jour. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans une version 70 fois par jour, comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version, 100 fois par jour. Vous vous imaginez? Également pendant ce mois, après avoir parlé du repentir sincère, je me recommande ainsi que vous de jeûner, écouter attentivement, poussé par notre foi et dans l'espoir de la récompense divine. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, il croit en l'obligation du jeûne et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Garde espoir quand tu jeûnes et place cette niya qu'Allah Ta'ala, il te pardonne, qu'il te fasse miséricorde. Également, comprends que jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire. Non, ça, c'est ce qu'en apparence. Mais il doit avoir un impact sur toi, ce jeûne, au niveau de ton intérieur, au niveau de ton cœur. Il doit faire naître la taqwa, la piété. Il doit faire de toi quelqu'un de pieux. Quelqu'un de pieux, pour faire très simple, c'est quelqu'un qui fait ce qui est obligatoire et qui s'écarte de ce qui est interdit. Voilà, c'est qui quelqu'un de pieux. Ça, c'est ce que tu dois atteindre comme objectif pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira, a dit: écoute attentivement, celui qui ne renonce pas aux mensonges, aux pratiques qui y correspondent et aux péchés, Allah n'a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Et il y a des gens, la seule chose dont ils vont tirer profit pendant ce mois, c'est la faim et la soif. La récompense, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent avec le ventre, mais leurs yeux ne jeûnent pas du haram. Leurs oreilles ne jeûnent pas de ce qu'ils écoutent comme haram. Leurs yeux ne jeûnent pas, leurs mains, leur langue ne jeûnent pas du haram. Nous avons besoin de nous racheter auprès d'Allah. Profitons de cette saison, profitons de ce mois. Profitons en lisant le Coran, en le méditant, en essayant de l'apprendre, également en allant à la mosquée pour prier, les prières obligatoires, à l'heure, en groupe dans la mesure du possible, également de prier le soir pour Tarawih, de faire beaucoup d'efforts, de prier la nuit. Prier la nuit, qu'est-ce que c'est important? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Umama, il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam: je vous recommande vivement la prière nocturne, Qiyamul Layl, car, écoutez bien, c'est l'usage des pieux qui vous ont précédé. Car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédé, un rapprochement de votre Seigneur, une préservation et une expiation de vos péchés et un éloignement du mal qui touche le corps, rapporté par Tirmidhi. Donc pendant ce mois, on ressoude notre lien avec le Coran. Même ceux qui ne savent pas le lire en arabe, lisez-le en français, essayez de le méditer, essayez de le comprendre. Trouvez quelqu'un qui vous explique des sourates. C'est le mois du Coran. Et en famille, étudiez cela. Asseyez-vous avec vos enfants, surtout les arabophones, ouvrez un tafsir, lisez ou mettez un enregistrement audio ou vidéo afin de faire comprendre à la famille des sourates du Coran. Également, soyez au service de ceux qui sont dans le besoin. On a parlé du Coran, on a parlé de la prière, mais aussi de la bienfaisance envers les parents, envers la famille, de visiter les malades, d'aider les nécessiteux. Également, s'abstenir de ce qui est interdit, le mensonge, la médisance, la calomnie, les mauvaises paroles, les insultes, regardez le haram, le gaspillage, fréquentez les mauvaises personnes.
Vous imaginez, pendant Ramadan, il y a encore des gens qui fréquentent des mauvaises personnes. Ils finissent le repas du Maghreb. Dès qu'ils ont mangé, ils restent dehors, dans des cafés. Et malheureusement, aujourd'hui, les cafés sont devenus des grands concurrents des mosquées. Ils sont ouverts jusqu'à pas d'heure. On joue, on rigole, on passe le temps, on tue notre vie avec des personnes qui n'ont pas compris c'est quoi Ramadan. Ou d'autres qui vont rester en bas des immeubles à écouter de la musique, à se faire une petite ambiance. Il dort toute la journée et il est réveillé toute la nuit. Voiture garée devant l'immeuble, le son à fond, il dérange tout le monde. Subhanallah, c'est ça Ramadan. T'as oublié que le prophète, sallam, il a maudit celui qui a vécu jusqu'à Ramadan et à qui il ne lui a pas été pardonné. Vous savez, c'est-à-dire quoi maudit? Maudit, c'est-à-dire il est chassé de la miséricorde d'Allah le jour du jugement. C'est grave. Et on entre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Que par la miséricorde d'Allah. Enfin, il faut à tout prix profiter de cette occasion. Ce mois. Ce mois-là, ça doit être un tremplin pour ta foi. Ce mois, considère-le comme un nouveau départ pour ta vie. Fais le bilan des actions que tu ne faisais pas, des péchés que tu faisais. Et il faut impérativement que tu prennes des nouvelles résolutions. En fait, il faut que pendant ce mois, tu sois comme dans le verset où Allah tabaraka ta'ala dit, et ça doit être un slogan dans ta vie. C'est « Et je me suis hâté vers toi Seigneur afin que tu sois satisfait. » Hâte-toi d'aller vers Allah. Les versets disent quoi ?« Wasari'u »« Précipitez-vous »« Fastabiqul khayrat »« Fafirru ilallah »« Fuyez vers Allah » Les verbes appellent à quoi? À se précipiter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, pour la dunya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Marchez sur terre. Et le prophète sallam il a dit at-tu'ada fi kulli shay'in khayr. La lenteur est bonne dans toutes choses, sauf pour les choses de l'au-delà. Quand il s'agit de l'au-delà, mon frère, ça y est, tu dois faire décoller ton âme. Ton âme qui jusqu'à maintenant est emprisonnée dans les péchés. Dans les fréquentations illicites. La drogue, l'alcool, le haram. Jusqu'à maintenant, pendant Ramadan, tu désobéis à Allah, tu t'éloignes de lui. Il y en a même qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas. Mais quand est-ce que tu vas te racheter? Toi qui espères un jour revenir vers Allah. Si ce n'est pas pendant Ramadan que tu prends des nouvelles résolutions, quand est-ce que tu vas le faire? Expose-toi au souffle de la miséricorde d'Allah pendant ce mois. Ahbab al-Karam, ne soyez pas des perdants. Ne soyez pas des perdants pendant ce mois. Ne vous faites pas avoir par les réseaux sociaux, par votre smartphone, par la télé, par la mauvaise fréquentation qui va tuer votre temps. Ce mois-là, ce mois, il est trop important. Trop important. Vous savez, subhanallah, dans la dunya, quand on entend parler de soldes et que les vêtements, ils sont soldés à 60%, 70%, 80%, tout le monde y va. Tout le monde. Tout le monde profite, parce que vous savez profiter des bons moments. Mais là, tu as une occasion qui est meilleure que les soldes, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Les portes du paradis sont toutes ouvertes. Allah Ta'ala a franchi énormément de serviteurs du feu de l'enfer. Pendant ce mois, en feras-tu partie, oui ou non? Pourquoi tu profites de cette vie qui est éphémère? Tu vas la quitter tôt ou tard et tu seras dans un linceul. Même ta carte bleue, tu ne l'auras même pas. Tu n'auras rien dans ton linceul. Un tissu blanc et tu seras sous terre. Quelques jours après, les vers vont s'occuper de toi. Alors que l'éternité du paradis, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu l'échanges pour un vil bas monde, pour des courts instants éphémères de joie et des joies qui sont dans la désobéissance d'Allah. Mais réveille-toi. Wallahi, on a peur pour toi. Ahbab al-Karam, je le dis et je le répète, il faut impérativement qu'on prenne des résolutions car il se peut que ce soit le dernier mois qu'on jeûne de notre vie. Aucun d'entre nous n'a une garantie de vivre jusqu'à l'année prochaine et de pouvoir profiter du Ramadan prochain. Personne n'a cette garantie. Que l'on soit comme le prophète alayhi salatu wasalam, qui était généreux et il est encore le plus généreux pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wasalam, se consacrait au Coran pendant le mois de Ramadan. Le prophète, dans les 10 derniers jours, il faisait la retraite spirituelle. Il essayait de faire un maximum d'efforts, sallallahu alayhi wa sallam, pour gagner la récompense de la nuit du destin, qui est une nuit impaire pendant les
nuit impaire des 10 derniers jours, des 10 derniers jours de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos cœurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de profiter de notre temps et de regretter amèrement tout le temps qui est passé où on a désobéi à Allah. Tout le temps qui est passé où on n'a rien fait d'utile. Le jour du jugement, il y en a qui vont venir et qui vont recevoir leur livre de la main droite. Ils vont lire beaucoup de hasanat, plein de hasanat, plein de bonnes actions, des récompenses, des récompenses, des récompenses. D'autres, ils vont venir prendre leur livre de la main gauche, qu'Allah nous en préserve, et ça sera une catastrophe. Mais sache qu'à ce moment-là, tu ne pourras blâmer que ta propre personne et il n'y aura pas de session de rattrapage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de nous réformer. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Allahumma ya Rabbi nas'aluka an tataqabbal minna al-qiyama wa s-siyama ala al-wajhi alladhi yurdhik.